Et salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Spiritfarer en compagnie de Stella. Mais avant toute chose, vous le savez, sans obligation aucune, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Il y a au moins une vidéo par jour. Ceci étant dit, on se retrouve de nouveau avec Stella. On a un voyage à faire, mais pour le moment, il est temps de dormir. Donc dormir jusqu'au matin, oui. Et on est en opération récupération de ressources. Donc qui dit récupération de ressources indique craft derrière. Et c'est ce qu'on tend à faire. Donc on va repartir. Voilà. Stella a fait un bon gros dodo. Hop, je vous montre la carte pour bien vous rappeler. Voilà, on se dirige ici. Ensuite, on se dirigera ici, puis là. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on ira faire un petit tour ici avant de partir dans ce coin-là. Puis dans ce coin-là. Voilà, ça va nous faire pas mal de voyages. Ok. Pendant qu'on voyage, on va laisser les gens dormir. On n'est pas des brutes, hein. Ils se lèveront d'eux-mêmes. Voilà. Parfait. Ici, ça pousse. Oui, ça pousse. On va essayer d'aller pêcher un petit peu, voir si on arrive à choper des nouvelles choses. Là, la canne, elle a pas aimé. On va essayer de pas la casser. Qu'est-ce que c'était? Une crevette nordique. Décidément, plein de nouvelles choses. C'était notre première crevette nordique. Qui dit nouvel ingrédient, bah dit sûrement nouvelle recette également, la cuisine. Parce qu'on n'a pas encore trop fait, hein. Et morue. Ok. D'ailleurs, on va y aller. Voir si on peut faire. Oui, cuisiner. Tu vas me faire, s'il te plaît. Ah, on est arrivé. On est arrivé. Ok. Ok, c'est parti. On va sauter à l'eau. Hop. Alors là, il y a quelque chose. Ah bah non. Voilà. Bah non. Bah comme ça. Voilà, faut plonger là. Voilà, très bien, c'est là. Qu'est-ce que t'as trouvé? Du quartz. Très bien. Le quartz, c'est cool. On n'en a pas beaucoup, en plus, plein de graines. Des navets, bûches d'érable, graines de caféier, cool. Et là, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de nouveau encore, un minerai de cuivre. C'est ma foi plutôt sympathique tout ça. Par contre, ouais, vu que ça fait un moment, enfin, ça fait pas très longtemps depuis la dernière fois, on n'a plus rien qui fait opposition. Oui, une petite collection, d'accord. Humeur, ah oui. Je sais pas quoi te donner. Si je te donne des baies. D'accord. On va faire un câlin aussi. Merci. Stella, oui. Oui.
Bien sûr. Bien sûr que je prends soin de toi. Ouais, d'accord. Bah, c'était pas super nécessaire ce que tu me racontes là, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a besoin encore... On va venir ici pour récupérer... eh bien, tout simplement des lueurs. Pendant ce temps, on va en profiter pour faire... Oui, une collation, je sais. De rien. On va aller faire des harengs. Oui. Bouge. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Je voulais en faire plus d'un. Voilà, à cuisiner. Le temps qu'on arrive tranquillement à notre destination. Ah, il y a quelqu'un qui va me parler là-haut. Génial. Ah bah oui, les méduses. Oui. Bah oui, on était là pour les méduses. Allez, allez, petite méduse. Ah, mais quand elles sont aussi hautes que ça, je peux rien faire. Voilà, ça c'était bien. Voilà, la grosse méduse là. Ah non, j'ai pas pouvoir la voir. Dommage. Ah! Comment faire pour rater? Ah, mais je... Eh non! Toutes celles-là, là, elles sont bien trop hautes. Faut pas les avoir. Là, on fait pas grand chose. Hein. Tout à l'heure, ça payait bien mieux. Hein. Ah, là, par contre, il me la faut, là, celle-là. Voilà, merci. Voilà. Ah, bah, celle-là, je risque pas de l'avoir non plus. Ah, non, dommage. On aura fait quelques lueurs quand même. Hein. Voilà. On aura fait un petit peu. Du coup, maintenant, ici, on en est à peine à la moitié, donc on va continuer. Hop. Je sais pas combien on en est. Hop. On va venir là. On va se rendre là. Et ici pour récupérer le trésor. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ici? Ça vaut combien? Un item merveilleux, et on prononce vase et non vase, devrait être vendu, d'accord. Une bonne bouteille, ok. Là, on a fait pas mal de graines. Là, on a des nouvelles choses. Plein de nouveaux ingrédients. Oh, on est passé à 13, c'est cool. Bouteille vide. Fibre de lin. 14. Ok. Ouf. Là, ça a besoin d'eau tout ça. Allez, le lin. On voit que ça pousse, hein, tout doucement. Doucement mais sûrement. Ça en est où ici dans notre fabuleuse cuisine? On approche également. Ici. Ah, on est arrivé. Parfait. Allez, allons
Allô, allô, allô. C'est parti. On plonge. Calcaire collier dynamique, très bien. La caisse. Oula, beaucoup de choses. Bouteille vide, graines de carottes, de lin, bûche d'érable et graines de café. Ça paye, hein. Ça paye. On fait le... Ça nous permet de... De commencer à avoir un stock de graines. Allez, hop. Nouvelle destination. On veut aller... Ah bah on était là déjà, oui. On avait déjà tout fouillé ici. Ah oui. Alors là par contre, là c'est prêt. Parfait. Oh nice. 5 poissons grillés. Magnifique. Donc on avait dit... On va continuer notre périple. Faut qu'on aille voir notre ami au Albert. Voilà. Le temps que ça, ça se fasse. Hop, ici. Métier naval. Lueur, ça on pourrait faire. Gros bateau. Lueur, ça aussi on peut faire. Outils, pour l'instant, non. Est-ce qu'on a des nouveaux plans? Maison d'invité unique. Refuge de Gwen, ça on a déjà fait. Et le reste, on a fait également. Bon. Bon, bah on va tranquillement pêcher. On va voir ce qu'on peut trouver. Hein. Sans casser notre jolie canne à pêche. Du moins en essayant de ne pas la casser. Ma masse. Ah bah de toute façon, là on arrive à destination. Ok. Saute ici. Wow, t'es qui toi? Oh, je suis coincé. Non mais, sérieusement, s'il te plaît, je respecte-moi. Voilà, merci. Bien le bonjour, jeune femme. Je suppose que tu es la nouvelle Spiritfarer. Tout à fait. Heureux de faire ta connaissance. Je suis Francis. On peut dire que je suis une sorte de marchand ambulant. Intéressant. Tu vois, j'adore les choses. Objets, curiosités, babioles. J'achète tout. Pour le dire simplement, j'achèterai tout ce dont tu ne veux plus. Je suis sûr que tu as déjà trouvé quelques trésors. Alors dis-moi, de quoi souhaites-tu te débarrasser? Oh, course, y a pas, d'accord. Acheter. Tu vends des souliers, des graines étranges et des bouteilles vides, d'accord. 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 Bon, alors vendre. Collier dynamique. Je vais en vendre deux. Le reste, je vais garder. T'aurais pas une quête pour moi? Non. Bon, bah, salut, hein. On est où là quand même? C'est quand on n'avance plus. Ok.
Francis, le marchand ambulant. Donc c'est ici que moi je voulais aller. Hein. Alors peut-être qu'on y est, tout simplement. On va voir ça. Même si c'est la nuit. Effectivement, on y est, même si c'est la nuit. Stella, oui. Je reçois ton courrier ici depuis un mois. Je ne suis pas un bureau de poste. Tu dois ajouter une boîte aux lettres à bord de ton bateau. Si je reçois encore une de ces lettres remplies de paillettes, je la fais disparaître. Je t'avertis. Tu es une cliente, mais je me réserve le droit de te crier dessus. Fais ce qu'il faut. D'accord. Alors, améliorer. J'ai pas ce qu'il faut. Hein. Planche d'érable. Fil de lin éclair en bouteille. Alors, qu'on soit d'accord. Améliorer la table à dessin et... Améliorer la table à dessin. D'accord. Donc c'est bien ça qu'il faut qu'on fasse. Donc on va passer à Siri, métier à tisser, fonderie. Et ça coûte 400 balles. Ok. Là-dessus, il nous manque tout, grosso modo. Et ça, on pourrait le faire. Petite taille, taille moyenne. On va le faire également. Effectivement, on a amélioré la taille de notre... Salut. Il fait trop noir pour naviguer. Oui. J'ai bien conscience de ça. Il est plus grand qu'avant, mon bateau, là. Quoi qu'il en soit, on va aller faire dodo. Allez, hop. Dormir jusqu'au matin, oui. C'est un repos bien mérité. Ah oui, on voit qu'il est plus grand, ouais. Effectivement. Et c'est cool, hein, parce qu'on va pouvoir y mettre beaucoup plus de nouveaux bâtiments. Notamment pour transformer, par exemple, le lin ou autres matériaux divers et variés qu'on aura récoltés en quelque chose de nouveau. Transformation, par exemple, des planches, ce genre de choses. Ok, donc on va réveiller tout le monde. Bonjour, petit chat. Bien sûr. Université de l'État de Midfield d'ingénierie agricole. D'accord, bah tu me racontes toute ta vie, quoi. Non. Je veux qu'on discute tous les deux. Bah oui, c'est pour ça que je voulais te donner quelque chose. Oh non. Aucun produit animal. D'accord. Tiens. D'accord. T'as un surplus d'énergie? Ok. Une faveur? Oui. Une scierie. Ouais. Ok. Un bon repas chaud. Ok. De rien. Toi. Cuisiner. Allez, on va faire ça. Ok, on va aller pouvoir donner ça à notre ami. Parfait. Ok, nickel. Maintenant qu'on est là, hop, notre nouvelle table à dessin.
Alors, il va falloir qu'on fasse fonderie, non, scierie, fil de lin, métier à tisser, bon sang, cuisine. Ok, je peux rien faire. Construire une scierie et le lieu indiqué sur la carte. Et ben, c'est là-bas qu'on va se rendre. Hein. On n'a pas le choix. Il va nous falloir des matériaux. À la baie de Green Alten. Ah, il va nous falloir du quartz. Donc on ira également récupérer du quartz. En attendant, on va essayer de fabriquer. Oui. Vous voulez me voir? Ok, ça c'est que du lore. Ah, là on peut récolter. Eh bien, récoltons. Des fibres, toujours plus de fibres, encore des fibres. Alors ce qu'on va faire ici, graines de lin, oui, bien évidemment. Ici on va mettre graines de caféier et ici graines de maïs, oui. Voilà, comme ça on a un peu de tout. On arrose. Graines de lin également, parfait. On ressort ici. Hop, ici ça en est. Ça en est où là? Ah ok, on peut les récupérer. Des carottes. Ok, des navets. Et encore des carottes. D'accord, on va essayer de replanter bien évidemment. Carottes. Oui. On va faire full carotte. Vu qu'on en a pas mal. Voilà. On se rapproche de notre objectif. Ok, ça c'est fait. On y est presque. On va essayer de pêcher un petit coup avant d'arriver. Un petit objet, un hareng. Ok. Bon, là on arrive. Nouvel endroit. Découvert la baie de Green Alten. Donc on va voir ce qu'il y a ici comme type de ressources. Est-ce que quelqu'un veut nous parler? Non. À première vue. Donc alors, si on reprend notre petite barque, rame magique. Et partons en exploration. Oh. Ça, je crois que c'est du quartz. Oh, parfait. Ah, minerai de cuivre. Pour abattre des arbres, mais t'as oublié ta hache. D'accord. T'as écrit de la poésie. Avec un peu de chance, ouais. Nous, on aime bien récupérer des ressources. Hop, encore du bois. Là, comme ça, on pourra faire des planches une fois la scierie terminée. Bûche d'érable. Wow, des baies. Ok. Et ben si t'en rêvais justement, je vais t'en donner. Wow.
Voilà. Ici, il y a encore du bois. Donc, on va le récupérer, bien évidemment. Ah, on veut toutes les ressources possibles. D'ailleurs, c'est quoi comme type de bois là? Bois d'érable. Ok. Ah, là, il y a quelque chose. Donc, on veut ça. Qu'est-ce que c'est? Anneau précieux. C'est tout ce qu'il y avait ici? Non. C'est peut-être son anneau à lui. Même si j'en doute, hein, parce que lui, il écrit de la poésie, tout ça. On va essayer de voir ça. Je vais aller lui reparler, on va voir. D'accord, t'as oublié ta hache. Ok. C'était quoi le truc qu'on vient de récupérer là? Les carottes, ça hausse. Ok. Le magnifique spécimen de l'unique vrai anneau. Mais celui-ci ne gouverne rien, sauf peut-être ton portefeuille devrait être vendu. D'accord. Parlons. Oh, mais t'as déjà eu des baies. Je vais te faire un câlin. Ça monte? Ouais, tout à fait. Ok. Et bah du coup, on va repartir. Alors j'espère que ça suffira pour qu'on puisse construire notre scierie. Hop. Donc retour à bord de notre bateau. Allez. Alors, pas de champ, pas de jardin. La cuisine, on a déjà fait métier à tisser. On est à 2 sur 8 en quartz. Donc on n'a pas ce qu'il faut. Malheureusement. Et c'était pas du tout l'endroit qui avait donné Summer. Donc on va reprendre ça. Ça nous permet, ah oui, de découvrir des nouvelles choses. C'est bien. Ici, il y aura des choses, hein. Graines, trésors, bois, minerais. Oui, on ira évidemment. Dragon de quartz. On va aller voir ce que c'est. On n'est franchement pas loin. Il n'y a pas besoin d'eau ici. En revanche, ce qu'on peut faire. Ok. Morceau de guitare pour nos petites plantes. C'est là la femme qui a murmuré à l'oreille des plantes. Voilà, ça suffira pour aujourd'hui. On va pas le faire pour toutes les plantes parce que ça fait beaucoup. Ah, Francis. Toi à nouveau. Oui, maintenant je suis là. Ok. C'est toujours le même speech. Est-ce que tu as une course pour moi? Non. Est-ce que j'ai des choses que je pourrais t'acheter? Ça, c'est des graines mystères. Je vais en acheter. En acheter 3, des trucs comme ça. C'est tout. Vendre, il vaut combien l'anneau? 480. Bon. On va garder ce qu'on a pour le moment.
marqué en poisson lorsqu'il pleut. Ah, intéressant ça. On va essayer du coup. Le temps qu'on arrive. Bon bah, on est arrivé. Pas de chance. J'ai quand même envie d'essayer. Message dans une bouteille. Ah, ça c'est nouveau. Alors, voyons voir ce que c'est. Une bouteille avec un message dedans. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un bûcheron sans hache pleure et sanglote, mais l'arbre ne sent pas la blessure. Je vieillirai, dit-il en riant. Bah oui, c'est le... C'est de l'île d'à côté. Il nous avait dit... Il écrivait de la poésie qui jetait à la mer. À nouveau. Oh, bonjour de Furugawa. Fais l'expérience des merveilles de la grande forêt de chênes et de la sérénité des splendides rizières. Maintenant disponible au champ Gurunu. Ok. J'ai envie de réessayer encore une fois. Ça porte ses fruits là, deux fois de suite. Hop, entendu le bruit. Voilà, ça c'est quelque chose. On va... Oh, j'aimerais bien qu'on évite de casser la canne. Un macro, d'accord. Alors, qui c'est qui voulait me parler? Tagada, 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 tagada. Oh, c'est... J'ai cru que ça y était, le dragon. Je suppose qu'il était inévitable qu'il soit ici. Qu'est-ce donc? Il a un truc sur sa tête. Il me suit constamment, toujours, même dans ce monde. Nos destinées sont entremêlées, non? Il reste que... Alors, il reste que pour tout le mal qu'il m'a causé. Il semble bien souffrant, tu ne trouves pas? Les pierres sur son dos suintent à la corruption. Il faudrait peut-être les lui enlever pour le soulager. Vas-y, mine-les, Stella. Eh bien, très bien, on minera ça, mais on minera ça dans le prochain épisode. Car celui-ci est arrivé à son terme. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. Sur ce, n'oubliez pas, évidemment, le clap, à savoir que vous pouvez commenter, liker, vous abonner et partager. Bien évidemment, vous commencez à le savoir. Surtout, n'oubliez pas de partager, car le partage, mes amis, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.